Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur un Subone dans une autre vidéo. On du commun, mes frères et sœurs, ça va être chaud. Yeah! Le diable aime la musique. Le diable aime la musique. Ce que vous avez vu dans les titres, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Le diable lui-même, à la base, c'était un chanteur. Dans le ciel, il chantait bien. Il chantait tellement bien que Dieu lui-même a aimé sa manière de chanter. Ses sons étaient propres et c'était hors du commun. Mais depuis qu'il est descendu sur la terre, il a dit une autre chose. Mais il n'a pas négligé. Cependant, il n'a pas négligé le fait que la musique a un pouvoir qu'il pouvait exploiter contre les humains qu'il veut détruire. C'est là qu'on a parlé de la création de la musique sorcière. La musique mélanger à des paroles mystiques pour pouvoir tout simplement piloter les humains sans qu'ils s'en rendent compte, pour pouvoir les manipuler n'importe comment et les amener dans d'autres dimensions. La musique, vous pouvez dire que ça les sait, mais ce qui est sûr, c'est que des statistiques ont montré que quand on écoute une musique où il y a des paroles violentes, ça nous pousse parfois à nous comporter bizarrement. Même les enfants même sont prêts à se suicider rien qu'à cause de la musique. Et nous allons vous dire, il y a des satanistes qui sont carrément, qui se sont infiltrés dans la musique. Des satanistes qui se sont infiltrés dans la musique pour nous faire de ces musiques bizarres. Ces musiques où il y a des forces présentes démoniaques et il y a des symboles occultes. Et bizarrement, ces genres de musique-là ont pour effet de pousser les jeunes à devenir orgueilleux, arrogants et fiers d'eux-mêmes et à faire de ces choses bizarres, même les amener à s'intéresser au satanisme juste pour plaire à leurs musiciens ou encore à les stars de la musique. Et nous avons vu ça. Moi, j'ai vu de mes yeux un jeune qui disait que lui, franchement, quand il écoutait tel genre musical, c'est-à-dire les genres musicaux où il y a la violence, ou pas de la violence, la musique dure. Quand il dit que quand il écoutait de telles musiques, lui, après avoir écouté cela, il pouvait même sortir de la maison et tuer quelqu'un. Même tuer ses parents. Parce que cette musique-là était carrément... Oh! C'est-à-dire cette musique a été prise déjà par les démons. Il y avait une présence démoniaque dans cette musique et les paroles de cette musique étaient des incantations. Et quand on renverse les paroles de cette musique, c'est-à-dire qu'on écoute cette musique en envers, ça donne autre chose. Et des paroles qui sont du genre « J'adore Satan ». Carrément. Donc le diable aime la musique tout simplement parce que au travers de la musique, il peut se faire adorer par les gens qui ne voulaient pas l'adorer. Toi, si le temps se présente devant toi avec des cordes, tu vas avoir peur, tu vas fuir. Mais si on te présente la musique avec un bon son et des paroles bizarres, même le son même déjà va te faire oublier les paroles bizarres qui sont à l'intérieur. Et tu vas voir même de l'écrit des gens qui sont habillés avec des cornes et ils rendent gloire à Satan, ils disent gloire à Satan. Et toi, comme tu aimes le son, tu aimes la mélodie, tu seras tout séduit, tu seras tout touché par cette histoire et tu vas avaler même tout ce qui se passe à l'intérieur, même ce que tu ne dois pas avaler. C'est-à-dire que derrière la musique, il y a un pouvoir, une puissance, le diable est là. Et c'est ce qu'on appelle la musique sorcière ou encore la musique profane qui est faite pour envoûter les gens. Là maintenant, c'est l'envoûtement. Et ce qui est étrange, c'est que quand quelqu'un devient musicien ou quand quelqu'un veut devenir star, on lui demande de faire un pacte avec le diable. C'est là le pacte avec le diable arrive, où on demande aux gens de signer les pactes avec le diable et ils commencent à chanter bizarrement. Dès qu'ils finissent de signer le pacte avec le diable, ils ont l'argent, ils ont les belles voitures. Mais ils perdent toute valeur morale. Et ce qu'on leur demande de chanter, c'est ce qu'ils chantent. Et c'est exactement ça.
Et ils font des gens là font de ces rituels pas possibles. Parfois même d'autres rentrent en contact avec des démons. Et ce sont des démons là qui chantent de cette musique. Et tous ceux qui font partie même du groupe musical là, ou encore de ce groupe. Ce groupe même qui font la musique, même dans le studio, la maison de disques, toutes ces histoires jusqu'à monter. Tout ça que il y a des démons qui sont dans le truc. Et que pour atteindre un certain niveau de célébrité dans l'industrie de la musique, il faut passer par une porte. Une porte dont tout le monde en parle. Tout le monde parle de cette porte. Cette porte est une mauvaise porte. C'est cette porte-là qui mène à toutes sortes de pratiques rituelles de sodomie, de sodomisation, de rituels sodomiques, toutes ces histoires bizarres. Mais frère et soeur, c'est réel. Nous allons vous dire que ces choses sont réelles. C'est à cause de toutes ces choses-là que le diable aime la musique. Aujourd'hui, il y a une chose qui frappe aux yeux. Regardez comment on expose la femme. La manière au moins qu'elle sait de la femme. La manière la femme s'habille. Regardez comment les femmes s'habillent dans les clips aujourd'hui, dans les nouveaux clips. Et regardez maintenant la société. Combien de fois la musique influence la société. Regardez. Tu vas regarder un clip. Tu aimes fortement le son. Ton esprit est touché, ton âme est touchée par la musique, ton cœur est touché, tu aimes le son. Tu vois une femme qui habille comme un garçon. Tu vas même oublier le fait que Dieu a demandé aux femmes de ne pas s'habiller comme les garçons. Tu vas tout avaler, tu vas te dire, il n'y a rien, c'est juste pour le show, c'est juste pour le divertissement. Mais ce que tu as négligé là, et que tu as laissé entrer en toi, si tu ne fais pas attention, ça va prendre forme en toi un jour, tu vas t'habiller comme un garçon. C'est exactement ça. C'est parce que la musique a une influence. Et le diable aime cette influence que la musique a sur les gens. Quand quelqu'un chante, c'est un artiste, c'est un célèbre, c'est un artiste célèbre et c'est un chanteur. Quand il chante et qu'il est aimé, tout ce qu'il fait, tout le monde copie. Même s'il s'habille comme un fou, tout le monde va s'habiller comme un fou. Les jeans coupés là, avant qu'on voyait ça, qu'est-ce qu'on disait? On disait que c'était le vêtement de fou. Et aujourd'hui, c'est devenu quoi? C'est devenu un vêtement à la mode. Tout le monde porte des jeans coupés aujourd'hui. Oui. Vous voyez, c'est parce qu'il y a une star qui l'a présenté dans un clip. Et nous avons tous vu cela. Ça nous a tous marqué. Et on a décidé de suivre ce comportement. Et quand une femme s'habille de façon sexy et qu'elle est célèbre et chante, ce qui se passe, c'est que toutes les filles de la planète veulent la ressembler. Moi-même, j'ai vu des belles yeux. Une fille qui cherchait à ressembler à sa star préférée. Sa star préférée, elle, de haut en bas, elle a fait de la chirurgie esthétique. La fille aussi, elle a dit que pour bien ressembler à ma star préférée, il faut absolument que je passe aussi par la chirurgie esthétique comme elle. Et elle a pris son argent pour aller se transformer le corps de la tête jusqu'au pied. Elle n'est plus la même personne. Elle n'est plus à l'image de Dieu. Elle a perdu la gloire de Dieu. Et le diable est content. Parce que grâce à la musique, grâce à ces stars qui chantent bien, ils ont pu la voir. Ils ont pu avoir son âme. Ma soeur, nous allons te dire, si tu aimes le monde, tu es tenté de détester Dieu. Si tu aimes le monde, tu es tenté de descendre ton Dieu. Nous allons te dire, si on ne te dit pas ça parce que c'est de la blague. Nous-mêmes, nous étions dans la musique. Moi-même, j'écoutais de la musique. Vous pensez que ça s'appelle comment? Vous imaginez quoi? Vous imaginez quoi? Toujours, nous avons plusieurs vidéos où nous sommes en casque, en casque, en casque, en casque. C'est tout simplement parce que nous-mêmes, nous faisons aussi de la musique. Nous produisons aussi. On sait exactement ce qui se passe. Nous, on sait comment Dieu nous a délivrés de là. Tu vas écouter une musique, tu vas voir une femme déjà dans les clips. La fille là, elle marche comme ça. Elle marche de façon sexy. Et on voit dans le clip comme une scène où il y a des gens qui vont avoir des rapports sexuels. Voici un dernier clip que j'ai regardé récemment. Dans le clip, j'ai vu des jeunes gens qui étaient juste assis dans un bar en train de prendre un pot. À un moment donné, des groupes de filles habillées de façon sexy, des prophètes des mal habillés vont entrer. Et quand ces filles-là vont entrer là, imaginez la suite.
La suite est que il y a l'un des leaders de ce groupe de jeunes qui se trouvait dans ce bar-là qui va voir une fille parmi elles et tout de suite il sera séduit par elle. Et ça, c'est le clip. Et il y a une chanson qui est en dessous. Et on chante, Tout ça, et on chante, et on chante. Et on regarde, on observe. Et tout à coup, les quatre filles qui sont là-bas et les quatre jeunes vont maintenant commencer à danser ensemble. À un moment donné, ces filles-là vont se courber sur une table. Le premier va venir se positionner derrière la première fille. Le deuxième va venir se positionner derrière la deuxième fille. Le troisième va venir se positionner derrière la troisième fille. Et le leader va venir se positionner maintenant derrière la quatrième fille, qui est aussi celle qui est le leader de ce groupe de filles. Et il faut les voir, les filles, se déhancher. Comme s'il y avait, c'était une scène pornographique. Dans un clip, nouveau clip récemment sorti, si ça a trop duré, ça perd peut-être une semaine. Oui! Nous n'avons pas eu le temps de vous raconter cette histoire à cause du travail. Nous étions occupés à faire des configurations. Mais aujourd'hui, regardez. C'est pourquoi le diable aime la musique. Parce que la musique va vous donner des valeurs. Mauvaises valeurs. Et va vous contrôler. Va vous amener à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Et bizarrement, quand ils ont fini de tester ces DHC, ils sont sortis de ce bar. Dès qu'ils sont sortis de ce bar, la fille, elle s'est couchée carrément sur le capot d'une voiture. Ah! Et l'homme, il va soulever ses jambes exactement comme si c'était une scène de Kama Sutra. Est-ce que vous voyez de quoi il parle? Et c'était exactement ça. Et dès que c'est fini, l'homme va maintenant partir en véhicule. La femme, elle est dans son véhicule, dans son groupe. Et l'autre aussi est dans son véhicule. Là, on va dire quoi? On va dire que normalement, ils ont fini d'avoir les rapports sexuels. Et ça, c'était comment? Comment c'était? Est-ce qu'en vrai, ils ont eu des rapports sexuels là? Non. Mais la scène qu'ils ont mis en position là, ça fait quoi? Ils sont en train de parler du sexe. Ils sont en train de faire la publicité du sexe. Et toi, quand tu regardes ces images, tu regardes, tu suis. En même temps, si tu es un gars qui a déjà le sexe dans ta tête, ça va réveiller ce vieux démon qui est en toi. Et au fur et à mesure que tu regardes, tu commences à être excité. Tu veux même aller même faire les choses. Et tu, déjà dans ta tête, tu t'imagines même à la place du garçon même qui est sur la fille. Ou parce que c'est un hasard. Le diable n'est pas bête. Qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit, si tu as regardé une fille juste, tu l'as regardée et puis tu la vois déjà dans ton lit, tu as déjà des problèmes, tu as déjà péché. Et c'est ce que le diable veut faire. Il veut amener les gens à pécher facilement. Vous voyez pourquoi il aime la musique? Il aime la musique, le diable aime la musique tout simplement parce qu'il peut utiliser la musique et les clips musicaux qui les accompagnent pour pouvoir nous plonger dans une dimension où on ne veut pas aller. Et c'est là, ceux qui n'ont pas de femme vont aller se masturber. Il faut chercher à savoir, découvrir qu'est-ce qui se passe quand une fille est couchée comme ça sur le capot, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut donner. C'est là que tu vas comprendre que le diable est en train d'enseigner maintenant sa parole aux jeunes. Premier élément, les filles sont habillées de façon sexy. Deuxième élément, les jeunes ne sont pas mariés, ils vont déjà derrière les filles. Or, le sexe, c'est être une chose qui est réservée aux personnes mariées. Ça, on ne va jamais vous le dire. On ne va jamais vous dire cela dans un clip. Mais vous verrez cette scène-là comme ça. Et vous serez en train de dire, mais ah, oh, comment ça se fait? Comment c'est comme ceci? Mais nous allons vous dire, mes frères et sœurs, le diable travaille. Et regardez comment les gens s'habillent, les femmes, les artistes célèbres. Regardez comment ils s'habillent. Et surtout les femmes-là, elles s'habillent de façon sexy. On voit pratiquement les cuisses. Si, et puis on peut même aller faire un clip où on voit carrément la majorité des acteurs, le volume du récit, et il y a un petit truc qui cache juste le téton, c'est tout. Sinon, en réalité, tout est dehors. L'enfant qui va regarder ça, il a 14 ans, il a 15 ans. La fille qui va regarder ça, elle a 14 ans, elle a 15 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête?
elle va chercher à savoir ce qui va se passer après. Ça va éveiller sa curiosité à un point très élevé, au point où ses parents ne vont plus contrôler cela. Parce que dans le sexe aussi, il y a un pouvoir. Le diable, il le sait. Je vais vous le dire. C'est pourquoi aujourd'hui, les musiques qui sortent, ou encore tout ce qu'on voit à la télévision, surtout dans les clips, ça parle du sexe, drogue, argent. Sexe, drogue, argent. C'est pas pour rien. Le sexe, ça maintient l'homme dans un état, dans une autre dimension. La drogue, ça te pose aussi dans une autre dimension. L'argent, tout le monde veut avoir l'argent pour avoir les belles choses sur le monde. Or, ça conduit la plupart du temps les gens en enfer. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez à sa propre activité pour la prochaine vidéo. Ça va vraiment être chaud. Nous avons envie d'en parler et nous comptons également sur vous pour nous suivre dans cette dimension. Il y aura une autre particularité. Abonnez-vous. Ah. Ouais.